La qualité des intervenants nationaux et internationaux, des professionnels évoluant dans le secteur du numérique et des décideurs politiques sur le développement de la confiance numérique et sur l'évolution fulgurante du système Internet a marqué positivement la tenue de la troisième édition du Salon des technologies de l'information et de l'innovation OSIAN 2019. Ce rendez-vous de 3 jours a été un moment de faire comprendre au public que le numérique devient un moyen incontournable pour le développement économique. Le thème « Développer la confiance numérique pour garantir une économie prospère » a retenu l'attention des milliers de férus d'Internet. Une fierté pour le premier acteur de l'association pratique qui salue la contribution remarquable des participants dans la promotion du secteur du numérique. Le numérique n'est plus un domaine réservé à des experts, mais un domaine qui est rentré dans notre quotidien, maintenant dans notre intrinsèque à notre quotidien. Nous devons vivre avec, nous devons chaque jour réaliser que nous le nourrissons par nos données, nous l'utilisons par nos, grâce aux besoins qui sont mis à nos dispositions par les différentes entreprises que nous visitons. OSIAN 2019 a aussi donné plus de visibilité à une vingtaine de start-up œuvrant dans la communication digitale et la vente d'objets en ligne. Grâce à ce salon, de nombreux jeunes ont davantage découvert des métiers du numérique. Avec les jeunes, on a appris lors de cette formation-là à voir comment ils peuvent utiliser utilement le numérique, donc pour soit se faire de la réputation sur les réseaux sociaux, donc faire du contenu utile pour la communauté, chercher du travail et aussi se créer du travail. AXA a été partenaire également pour soutenir OSIAN. Je pense d'abord à CIDER qui est le système intégré des dépenses et des recettes de l'État. C'est un produit repère pour nous parce que la réalisation de ce produit a permis de mettre en œuvre les technologies les plus récentes. Ce salon, qui a été vraiment riche en beaucoup de connaissances donc j'ai acquis, tels que les métiers de testeur, de logiciel. On nous a expliqué aussi qu'est-ce qu'un métier de développeur full stack. Et il y a plusieurs métiers que nous avons découverts. Rendez-vous à OSIAN 2020, où le comité d'organisation entend relever le défi de promouvoir l'accès à l'Internet pour tous et contribuer à l'utilisation du numérique en toute vigilance et en toute responsabilité.